Tafsir sourate al-Ikhlas. Exégèse de la sourate, le monothéisme pur qui est mécoise. Bismillahir Rahmanir Rahim. Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. Qul huwallahu ahad. Dis, il est Allah, unique. Allahu samad. Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Lam yalid wa lam yulad. Il n'a jamais engendré et n'a pas été engendré non plus. وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدًا. Et nul n'est égal à lui. C'est-à-dire, dit d'une façon catégorique, tout en ayant connaissance de ce que tu dis. هو الله أحد. Il est Allah unique. C'est-à-dire qu'il est distingué par l'unicité. Il est l'unique qui se distingue par la perfection et qui possède les plus beaux noms, les attributs les plus sublimes et les actes les plus sacrés. Il n'a ni égal ni semblable. Allahu Samad. Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons, c'est-à-dire celui vers lequel on se tourne pour tous les besoins. Aussi bien les gens du monde supérieur qu'inférieur dépendent totalement de lui. Lui présente leurs requêtes et le sollicite pour leurs besoins. Car il est parfait dans ses attributs, l'omniscient dont la science est parfaite, le compatissant qui est parfait dans sa compassion, le miséricordieux qui est parfait dans sa miséricorde et dont la miséricorde embrasse toutes choses. Il en est ainsi pour tous ses attributs. Parmi les caractéristiques de sa perfection est qu'il est celui qui n'a jamais engendré, lam yalid n'a pas été engendré non plus, wa lam yulad, en raison de sa suffisance. وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٍ. Et nul n'est égal à lui, ni dans ses noms, ni dans ses attributs, ni dans ses actes. Cette sourate contient donc l'unicité des noms et attributs.